Salut tout le monde, re-bienvenue sur notre chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à toutes, mais toutes vos questions concernant mes Invisalign que je porte depuis maintenant un mois. Et ben, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez que ça fait très longtemps que je parle d'Invisalign, que je veux entamer le processus. Donc, je vous ai demandé toutes vos questions sur Instagram, donc je réponds à l'instant. Donc juste pour vous mettre en contexte, moi ça faisait quand même plusieurs années que je pensais à faire un traitement d'orthodontie, surtout pour mes dents d'en bas qui sont toutes chevauchées unes sur les autres et pour mes dents d'en haut en fait qui sont comme pas alignées avec mes dents d'en bas. Mais en vrai je me disais, mais c'est esthétique, c'est pas grave, mes dents tu sais sont généralement quand même belles. Quand même ça me dérangeait et plus le temps avançait, plus que je remarquais que mes dents commençaient à s'effriter parce que moi durant la nuit je grince énormément des dents. Donc si vous avez le même problème que moi, ben c'est parce que vous grincez des dents durant la nuit les chums. Et donc j'avais fait les démarches il y a... au mois de décembre l'année dernière, puis finalement c'est comme un peu tombé à l'eau. Après ça il y a eu le COVID, puis je me suis dit ben... on verra rendu là, et j'ai vraiment repris les démarches cet été, et donc j'ai fait mon évaluation, mon rendez-vous et tout ça, et donc j'ai entamé le processus, et là ça fait un mois que j'ai mes coquilles, donc là je me ferme la trappe et je réponds à vos questions. Donc première question qui revenait énormément souvent, c'est qu'est-ce que c'est? En fait, Invisalign c'est un traitement orthodontique complètement transparent qui fonctionne avec des gouttières, et donc aussi j'ai des tacs de coller après mes dents, et donc ça permet mes dents de mieux bouger et en fait contrôler leur mouvement de manière hyper précise. Et donc ben c'est ça, une design, c'est des gouttières transparentes qui bougent tes dents. Ensuite, à quelle clinique vas-tu? Je vais avec la clinique Mon Ortho à Montréal et Laval avec le docteur Fournier et docteur Catherine Fontaine. Et je vous le dis, ce sont les best. Docteur Fournier, en fait, ça fait 16 ans qu'il fait du Invisalign et ça fait 12 ans qu'il fait que ça. Il fait des conférences au Brésil, au Japon, toute la patente. C'est vraiment comme le pilier du Invisalign au Québec et même au Canada. Comment ça fonctionne? En fait, c'est super simple. C'est des gouttières complètement transparentes que vous devez changer à un certain rythme. Donc par exemple, moi avec Dr Fournier, je dois les changer le mardi et le vendredi, contrairement à comme la technique habituelle d'Invisalign qui est une fois aux deux semaines. Donc cette façon-là de les changer plus souvent, ça permet à avoir vraiment moins de pression sur mes dents. Donc pour répondre à une autre question qui venait ultra souvent, c'est est-ce que ça fait mal? Pas pantoute. Ça fait aucunement mal. C'est sûr que des fois vous sentez vos dents un peu plus serrées à l'habitude, vous ne voulez pas, ça bouge. Mais jamais que j'ai dû avoir à prendre des Tylenol, des Advil parce que j'avais mal à la tête ou j'arrivais pas à manger. Loin de là, ça fait zéro mal. Donc c'est pour ça qu'en les changeant plus souvent, ça permet à mes dents qui sont en constant mouvement et donc de bouger beaucoup plus rapidement et faire beaucoup moins mal. Quel est le processus? En fait, moi j'ai jamais fait le processus pour des broches, donc je pourrais pas vraiment comparer par rapport à une expérience personnelle. Mais en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec la clinique Mon Ortho. Je suis arrivée pour faire mes empreintes. Et pour répondre à une autre question qui venait souvent, est-ce que c'est désagréable les empreintes? Zéro pin bar parce que tout est digital. Donc, il passe une espèce de scan sur tes dents et donc tu peux voir à l'écran, dans le fond, un espèce de prototype de tes dents, de toute leur position. Vous avez comme une session à savoir, ok, c'est quoi mon résultat final de mes dents que j'aimerais avoir. Donc, moi, ce que ça va donner, je vais vous le mettre ici, puis je peux pas vous dire à quel point j'ai hâte. Ensuite, avec mon rendez-vous, ça a pris environ une heure pour vraiment la consultation avec Dr Fournier, savoir quelle était la meilleure option, quelle était... en fait, le meilleur sourire que je pouvais avoir avec l'état de mes dents, que je grince mes dents. Et honnêtement, je suis ultra satisfaite. Ça me donne encore plus hâte à mon résultat final de l'imager, tu sais, parce que oui, tu sais que ton sourire va être droit, mais de l'avoir devant toi, c'est complètement différent. Et ensuite, une fois que vous confirmez que vous y allez de l'avant avec le processus, ça prend environ 5 semaines à commander les gouttières. Donc une fois qu'ils ont reçu toutes vos gouttières, ils vont vous téléphoner pour faire la pose des tacs comme je vous parlais et installer vos premières gouttières. J'ai reçu des boîtes comme ça, j'en ai 5, et à l'intérieur vous avez toutes vos gouttières nécessaires. Puis il y en a pas mal. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est comme ça ici. Ah, on voit pas là. Donc en fait, vous avez toutes vos gouttières numérotées. Donc par exemple, celle-là, c'est la 16e de 66. Et vous avez autant le haut que le bas à l'intérieur. Et donc, vous avez toutes vos gouttières comme ça. Et contrairement aux broches, les rendez-vous sont beaucoup plus espacés puisque ben tout est déjà programmé, il n'y a pas tellement d'ajustements à faire. Mais tout de même, vous avez des rendez-vous à prendre pour juste s'assurer que les déroulements se passent super bien. Et donc, à votre premier rendez-vous, quand ils vous apposent les gouttières, ça dure environ une heure juste pour qu'ils vous expliquent vraiment tout le processus, comment les mettre, comment les enlever, comment les entretenir. Et moi, vu que j'ai mes tacs en arrière, ça paraît pas du tout sur mes dents. J'en ai sur les côtés ici et en arrière... sur mes quatre dents? Ouais.
sur mes quatre dents en arrière et ici. Donc au début je zozotais un peu, c'est normal, mais après environ une semaine, tout s'est résorbé. Et vous étiez plusieurs à me demander aussi, est-ce que c'est plus cher quand tu mets les tacs en arrière? Pas du tout, ça dépend juste comment votre orthodontiste fonctionne. Et donc mon docteur Fournier, il met toutes les tacs en arrière pour que ça apparaisse le moins possible. Et pour ajouter au processus aussi, donc avec docteur Fournier, comment lui fonctionne, vu que je dois les changer aux deux jours, je dois les garder 24 heures sur 24. Donc même quand je mange, je dois les garder, mais c'est super simple, je fais juste rincer mes gouttières et me brosser les dents et la job est faite. Mais honnêtement, moi j'aime mieux ça, on dirait que je me casse moins la tête. J'ai moins la chance de comme oublier d'y remettre quand je les ai juste tout le temps. Une autre question, est-ce que ça change la façon dont tu parles et est-ce que ça goûte quelque chose? Ben je vous l'ai dit un peu plus tôt que je zozotais un peu comme la première semaine. Puis une autre chose aussi, c'est que je bavais énormément. Et c'est normal parce que votre corps pense qu'il y a quelque chose d'étranger dans votre bouche, donc il veut comme l'éliminer. Puis je peux vous dire, j'avais l'air d'un chameau, ça bavait. Mais je vous rassure, après une semaine, je zozotais plus et je bavais plus. Et est-ce que ça goûte quelque chose? Ça goûte zéro, puis une barre. Ensuite, as-tu eu besoin de te faire enlever les dents de sagesse? Honnêtement, je m'en rappelle pas. Je crois que oui. Et pour répondre à la fameuse question, ça coûte combien et est-ce que les assurances en couvrent une partie? Pour vrai, pour répondre à cette question-là, je peux pas vraiment vous le dire parce que ça varie de cas en cas. Et donc là, c'est important aussi de voir avec vos assurances parce que y en a qui peuvent couvrir au complet et d'autres une moitié. Donc c'est super important de faire une consultation avec votre orthodontiste. Et si jamais vous êtes travailleur autonome, vous avez tout simplement pas d'assurance, il y a toujours une façon de pouvoir payer par mois et donc pas payer d'un seul coup parce que des fois, ça peut... Ouh! Ça fait mal au cœur, hein, payer tout ça d'une shot. Donc vous avez toujours l'option de payer d'une manière étalée. Et si jamais vous voulez faire une consultation avec Dr Fournier, je vous mets le lien en bio juste ici. Ça vous donne la consultation gratuite d'une valeur de 100$ si jamais ça peut vous aider à prendre votre décision. Ah! Une autre question qui revenait énormément souvent et que je me suis posée très 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 souvent, c'est est-ce qu'il y a l'option de seulement faire le haut et le bas? Encore là, c'est tout dépendamment de votre traitement et de votre orthodontiste. Moi, je m'étais posé la question si je pouvais juste faire mes dents d'en bas. Mais après ça, c'est juste une question d'alignement puis de toute la patente. Mais généralement, vous devez faire le haut et le bas. Mais encore là, ça dépend de votre consultation que vous aurez. Combien de temps ton traitement? Moi, c'est estimé à environ un peu moins d'un an. Et honnêtement, Dr Fournier m'a dit que la plupart du temps, le temps estimé, c'était ça. Contrairement aux broches, c'est tout le temps comme « Ah, ben non, finalement, hein, t'as un 4 mois de plus. » Et contrairement avec Invisalign, vu que c'est tellement précis, la date habituellement qu'ils vous disent « Ok, on enlève tes Invisalign », ben c'est cette date-là. Donc moi, c'est ça qu'on m'avait dit un peu moins d'un an, mais je vérifierai à mon prochain rendez-vous dans deux semaines et je vous tiendrai au courant. Et aussi, une autre question que vous me demandiez, c'est « Est-ce que ça paraît? » Et j'ai été étonnamment surprise de voir, quand j'ai eu mes premières gouttières, à quel point ça ne paraissait, mais pas du tout. Si on le sait pas, ça paraît pas. Puis en plus que là, on a nos masques, fait que, hein, à pas vous inquiéter là-dessus. Mais je vous le dis, même si on n'avait pas de masque à porter, ça paraît pas. À part les tacs, si je souris énormément, mais ça paraît pas. Donc, je pense que ça répond pas mal à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je vais y répondre. Ou simplement, venez m'écrire sur Instagram aussi, ça va me faire plaisir. Et je vous le rappelle que le lien en bio, c'est pour faire votre consultation gratuite avec Dr Fournier et Dr Fontaine. Si jamais ça vous tente, c'est quand même d'une valeur de 100$. Puis ça peut peut-être comme, ça peut éclairer un peu vos questionnements. Puis ben là-dessus, j'espère que ça aura pas été une vidéo trop longue et quand même assez claire, nette et précise. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, puis à bientôt!